Salut les jeunes, aujourd'hui on va parler de l'épisode 5 de All Out. Et comme d'hab, on commence par un petit résumé. Après la défaite de la dernière fois, Johan organise un petit stage pour l'équipe. Et il n'y va pas vraiment de main morte, 5 jours de stage. Le problème tout de même, c'est que sans coach, l'équipe, du moins sa progression, va demeurer limitée. Et c'est Kenji qui va en trouver un. Et ce, sans rien dire à personne. Merci Google. Le type en question a été en équipe nationale, il s'appelle Shingo Komori. En fait, ce personnage n'est pas complètement fictif, c'est une référence à Shuji Kitajima. Merci Nato Ito pour l'info, parce que là, je l'aurais pas trouvé tout seul. Et ce coach débarque en plein entraînement. Il met les pieds dans le plat et se montre plutôt critique envers les méthodes d'entraînement de Johan. Et il commence illico presto à appliquer les siennes. Avec pour commencer un petit jeu d'attaque, deux grands contre deux petits. Le message à faire passer étant, utiliser sa tête. Au propre. Comme figuré. ただ腕力にものを言わせて引き倒す。長身を使って何とかその場をしのぐ。力任せのプレーをしてるから。 Ce sera en fait le thème central de cet épisode, notamment après la catch. Ça va bosser la passe, les postures, le repérage dans l'espace, la mêlée aussi, où il nous fait un coup à la Dalmazo. Mais on a aussi droit à un petit hashtag valeur défamée sur la complémentarité entre avant et arrière. Fin de l'épisode. Cet épisode est plutôt sympathique, son but bien sûr c'est d'introduire ce personnage de coach. Comme souvent, le coach a des méthodes assez peu conventionnelles, parce qu'il faut de l'originalité quand même, il s'agit d'un animé, il faut quand même qu'il se passe des trucs. Donc voilà, on a ce coach qui arrive, il commence à imposer sa patte, il commence à être adopté par l'équipe, parce que lui il adopte l'équipe, c'est assez probable. Les repères qui ont été posés depuis 4 épisodes déjà sont un petit peu chamboulés. Avec Sekizan, Johan, dont la place de leader absolu est un peu atténuée. Mais bon, c'est pas plus mal, ça donne un petit peu de relief à tout ça. Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne au prochain épisode. C'est plutôt agréable, mais voilà, c'est le truc à retenir, bien sûr, c'est l'arrivée de ce coach. Et bien, c'est tout pour aujourd'hui, et ciao, bye!